Plus de 10 millions de Camerounais qui vivent désormais avec moins de 1 000 francs CFA par jour sont eux aussi appelés à débourser 15 500 francs CFA pour l'établissement de la carte nationale d'identité, une augmentation de plus de 250%. Cette ordonnance du président de la République qui est arrivée jeudi 20 juin 2024 est accueillie comme un coup de grâce dans un contexte où les Camerounais sont de plus en plus pauvres selon le dernier rapport de l'INS, l'Institut National de la Statistique. L'autre coup de grâce est celui reçu par les conducteurs de taxis dans la ville de Douala, la ville de Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Eh bien, ils sont sommés de peindre leur voiture aux couleurs des groupes armés sécessionnistes, le blanc et le bleu. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous honorer par votre présence à la maison, dans vos bureaux, à cette édition de la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Bienvenue. Notre invité est un avocat inscrit au barreau du Cameroun. Il est également adjoint au maire de la commune de Bafoussam Premier, maître Lavoisier Tapi. Bonjour. Bonjour Monique. Et surtout, merci d'avoir fait le déplacement de Bafoussam pour Douala. Merci, un déplacement assez fatigant parce que le mauvais état de la route n'encourage pas vraiment à prendre la route Bafoussam-Douala. Donc je pense que au lieu de faire le replâtrage que le gouvernement fait actuellement, il faut envisager la reconstruction de cette route. C'est une route qui date de 4 décennies. Oui, elle a duré assez longtemps et je pense qu'il était temps d'envisager une autoroute compte tenu de l'impact économique que cet axe a sur la vie de notre pays. Je pense qu'il serait mieux d'envisager une autoroute Bafoussam-Douala-Bamenda. C'est réaliste, puisqu'on attend encore l'autoroute Yaoundé-Douala. Ça fait plusieurs années qu'on n'a même pas encore fait les 70%. Vous parlez de l'autoroute Douala-Bafoussam, ça reste des rêveries, non? Oui, c'est un rêve pour ceux qui sont au pouvoir actuellement. 40 ans, on n'a pas pu le faire. Je pense qu'il est temps que les Camerounais se mobilisent pour qu'il y ait alternance. Parce que l'alternance dans tous les pays a boosté le développement. Et sans alternance, c'est l'immobilisme, c'est le statu quo, etc. Et c'est ce qui explique le très mauvais état des routes que nous avons au Cameroun actuellement. Alors, vous êtes non seulement avocat, mais également adjoint au maire de la commune de Bafoussam Premier. Donc, le mandat des députés et conseillers municipaux, le vôtre, il faut le dire, s'achève le 20 février prochain. Donc, le corps électoral doit être convoqué au plus tard en novembre de cette année, l'année 2024, sauf si le président de la République dépose une loi à l'Assemblée nationale en ce mois de juin, cette session de juin, pour proroger votre mandat, comme ça a été le cas en 2018. Vous, au regard du contexte économique dont on dit être très tendu, sécheresse des caisses, le scénario 2018 est-il envisageable pour organiser trois élections en une année? La sécheresse des caisses de l'État est due principalement à la mauvaise gouvernance. Parce que les principaux partis de l'opposition ont toujours demandé à ce que l'État réduise son train de vie. Si l'État resserre la ceinture, si les fonds de l'État ne sont pas gaspillés, parce que je ne peux pas comprendre comment l'État du Cameroun peut décider de construire la maison de fonction du président du Conseil économique et social à 2 milliards de francs.
Ça ne s'explique pas, c'est du gaspillage. Vous ne pouvez pas voir un fonctionnaire, un haut commis de l'État, à qui on achète un véhicule à 300 millions de francs. C'est du gaspillage. Un 80, 70 millions de francs aurait suffi pour faire ce véhicule, pour acheter un bon véhicule. Et puis le reste d'argent, on peut l'investir dans le social. Donc, quand on parle de sécheresse de l'État, il y a d'abord le train de vie extravagant de l'État qui ne se justifie pas. Et il y a le détournement massif et impuni des fonds de l'État. Votre télévision a longuement parlé là-dessus, les détournements de la CAN, les détournements des fonds Covid, etc. Il y a des détournements massifs et insolents, et puis on ne fait rien. Donc, c'est-à-dire que l'État a les moyens. Ça ne nous étonnerait pas que ces élections soient prorogées, ou alors que ce mandat soit prorogé. Le président en a légalement la possibilité. Ce n'est pas violer la loi qu'il le fait, mais nous pensons que dans tout pays démocratique qui se dit sérieux, le calendrier électoral doit être fixe pour que les acteurs politiques sachent à quoi s'attendre et qu'ils se préparent à temps. Ces prorogations à répétition de mandat, ça surprend toujours parce qu'on ne sait pas à quel moment ça vient. Vous voyez que depuis que l'Assemblée nationale a ouvert ses travaux au cours de ce mois, on n'en parle pas. Peut-être deux jours avant la clôture du scrutin, on va surprendre les députés comme ça avec un projet de loi qu'on ne va même pas leur permettre de discuter. Et ça profite et qui prolonge le mandat. Ça profite au pouvoir en place. Ça profite au pouvoir en place. C'est de la tricherie politique. C'est de la fraude même. Proroger le mandat, parce que l'actuelle prorogation, ça vise certaines personnes. Ce n'est pas dans l'intérêt de la nation. Le Cameroun a les moyens matériels, financiers, d'organiser les élections municipales et législatives en février et d'organiser la présidentielle en octobre. Le temps est suffisamment décalé pour qu'on réunisse les moyens pour le faire. Donc, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on vise certaines personnes. C'est des lois qui tendent à sanctionner des personnes et non des lois qui tendent à expliquer la bonne gouvernance ou tout ce qui va avec. Merci beaucoup, Maître Lavoisier-Tapie, pour l'introduction de cette émission par la politique. Vous êtes un homme politique, quoique juriste, avocat à la base. Nous parlons des faits qui ont marqué la semaine. Nous allons commencer par ce sang qui a encore coulé dans la région anglophone, les régions anglophones du Cameroun. C'était lundi dernier. Un jeune homme a reçu une balle. Un jeune marié, il est tombé, c'est un homme en civil, comme on le dit trivialement. Mardi, c'est le corps d'une jeune dame qui est retrouvée découpée, mutilée, les parties génitales qui étaient mutilées. Dans cette même journée à Bamenda, ce sont les groupes armés sécessionnistes qui somment les conducteurs de taxis à peindre leur voiture désormais en bleu et blanc. Il y a eu des coups de feu. L'armée et la police dit niet, si vous le faites, vous irez en fourrière. Si vous ne le faites pas, les groupes armés sécessionnistes vous disent, vous serez abattus. Donc, ils sont pris entre l'étau des groupes armés sécessionnistes et l'enclume des forces de police. Reportage d'Aimé Catherine Moukouri. Un mardi sous haute tension dans la ville de Bamenda, au quartier Ntarikone. Les populations ont été réveillées par des coups de feu. Des présumés combattants séparatistes ont tiré sur des conducteurs de taxi, incendiant des véhicules à certains points. Il y a peu de temps, ces derniers interdisaient la circulation de véhicules de couleur jaune dans la cité capitale du Nord-Ouest. Les séparatistes ont plébiscité les couleurs bleues et blanches pour les véhicules de transport en rappel au drapeau de la République virtuelle d'Ambazonie. Pris de peur, les automobilistes ont quitté à tombeau ouvert la zone pour des quartiers plus sûrs. Les forces de sécurité ont, elles, de leur côté, averti les chauffeurs quant aux conséquences du respect de cette loi séparatiste. Dans la ville, les véhicules portant les couleurs bleues et blanches sont systématiquement mis en fourrière. Les opérateurs du secteur des transports se retrouvent alors entre le marteau et l'enclume. Perdre la vie sous les coups de feu des rebelles, voir son véhicule confisqué par la police ou encore arrêter son activité. L'impact pour les usagers est à coup sûr une difficulté à se déplacer dans la ville, vu que la circulation des mototaximens est elle aussi interdite depuis peu.
Eh bien, Maître Lavoisier Tapi, comment analyser ce nouveau monde opératoire des groupes armés sécessionnistes imposés aux conducteurs de taxi les couleurs de leur république virtuelle? Ben, ça me fait énormément de peine quand je vois la brutalité avec laquelle ces soi-disant rebelles séparatistes opèrent et l'aspect particulièrement inhumain avec lequel ils mettent fin à la vie des citoyens qu'ils sont censés, disaient-ils, défendre les intérêts. Donc, vraiment, c'est des gens bruts, sans cœur. Moi, ça me fait de la peine. Ça a dévoyé le combat, finalement. Oui. En fait, je crois que c'est plus le banditisme auquel ils se livrent que la lutte armée pour défendre une soi-disant nation. Les anglophones sont à 90% camerounais et se sentent camerounais. Mais ils ont un problème d'identité culturelle, hérité de la colonisation anglaise. Et je trouve que c'est normal que cet héritage soit protégé par le gouvernement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La crise anglophone, nous l'avons toujours dit, c'est une crise qui devrait se régler par le dialogue. Le gouvernement a choisi la solution militaire. Il y a eu un dialogue en 2019, le Grand Dialogue National. Oui, sauf que le Grand Dialogue National n'a pas mis fin à la crise. Ça veut dire que le Grand Dialogue National n'a pas apporté les solutions appropriées. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Quel type de dialogue faut-il désormais, puisque vous parlez de dialogue? Sous quelle forme? Bon, je voudrais déjà dire que le dialogue national était biaisé. Parce que quand vous appelez à un dialogue, il ne vous appartient pas à vous qui appelez au dialogue de choisir les gens avec qui vous allez discuter. Laissez ceux avec qui vous allez discuter choisir leurs représentants. Mais quand vous avez vos représentants et vous allez dans le camp adverse choisir vos représentants, le dialogue est fauché à la base. Je pense qu'il faut un nouveau dialogue. Un nouveau dialogue dans lequel on permet aux anglophones de choisir leurs représentants. Il faut un dialogue inclusif. C'est-à-dire que le gouvernement doit mettre un peu d'eau dans son vin. Je pense que le chef de l'État peut même déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi qui crée une amnistie pour les crimes qui sont commis de part et d'autre et qu'on négocie un cessez-le-feu avec ces rebelles-là. C'est des Camerounais qui ont pris des armes contre d'autres Camerounais. On peut discuter avec eux pour peu que on souhaite que le sang ne coule plus de manière aussi violente. Au regard de la façon dont sont menées leurs revendications sur le terrain, ce sont des assassinats ciblés, on tue des civils, on s'attaque aux enfants qui vont à l'école, on incendie des hôpitaux. Avez-vous le sentiment qu'on puisse y trouver, dans cette façon de faire, des personnes à même de discuter sur la table et en ressortir avec une résolution crédible? Oui, c'est possible. C'est possible parce que... Vous parliez tantôt des bandits. Est-ce qu'on peut discuter véritablement avec des bandits? Bon. Au regard de leur comportement sur le terrain. Mais vous savez que ces bandits vivent au sein d'une population. Ils sont connus. Ceux qui sont dans les brousses, c'est les enfants des gens. Ils sont connus, on les connaît. Et le ressentiment que... Parce que j'ai discuté avec beaucoup d'anglophones sur cette crise. Le ressentiment que les anglophones ont, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Il vous souvient que, avant le Grand Dialogue National, le président de la République avait envoyé deux émissaires sur le terrain. D'abord, l'ancien premier ministre Peter Mafani Moussonga, qui est allé faire le tour du sud-ouest et du nord-ouest pour recueillir les ressentis. Qu'est-ce que les anglophones veulent? Le rapport a été transmis au président de la République. Il a renvoyé l'actuel premier ministre, Dr Dion Goûté, qui est allé faire le même travail et qui lui a transmis un rapport. Le ministre, l'ancien ministre Garga Aman Hadji a fait une mission. Toutes les trois missions ont conclu à une même chose. Le dialogue avec les anglophones.
pas le genre de dialogue national, là, parce que les problèmes qu'on a au nord Cameroun, à l'est Cameroun, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'on a au sud-ouest, au nord-ouest. C'est une crise identitaire, une crise culturelle. Donc, le chef de l'État n'a pas tenu compte des conclusions des émissaires que lui-même il a envoyés sur le terrain. Il a convoqué un dialogue national comme ça, biaisé, au lieu de tenir compte des rapports que ses émissaires lui avaient apportés. Et faire un dialogue gouvernement-communauté anglophone, on a fait un dialogue national. Ce n'était plus la même chose. Okay. Et alors, les anglophones se disent que le gouvernement ne tient pas compte de leur desiderata, le gouvernement ne tient pas compte de ce que eux ils veulent avoir comme identité culturelle. Nous allons revenir aux faits qui nous inspirent ce sujet. Les conducteurs de taxi, couleur jaune dans la ville de Bamenda depuis bientôt 8 ans. Ce sont des régions, je parle de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce sont des régions qui sont dites économiquement sinistrées. Il y a des jours de villes mortes à répétition et aujourd'hui, les conducteurs de taxi, eux aussi, sont impactés au plus haut point. Donc, leur vie en permanence sont menacées parce que leur voiture, qui reste leur seul bien, menacée d'être mise en fourrière. Sinon, ils seront tués de l'autre côté par ce qu'on appelle trivialement, où ils se font appeler les citoyens de la République de l'Ambazonie. Comment s'en sortir, cette catégorie professionnelle-là? C'est la mort du secteur d'activité des transports en commun. Oui, malheureusement, je pense que ça va être la mort de ce transport en commun. Parce que, vous voyez, la crise va en pourrissant. Et j'ai l'impression que les séparatistes sont en train de marquer le pas. Ils sont en train de prendre de l'avance sur le gouvernement. Voyez-vous que les villes mortes le lundi sont jusqu'à ce jour respectées. Les ghost towns. Oui, les ghost towns, le lundi. Le gouvernement n'a rien pu faire pour mettre fin à ça. La deuxième chose qui marque l'emprise des séparatistes dans cette région, c'est les plaques d'immatriculation, CEMAC, qu'ils ont systématiquement interdit. Allez à Bamenda, allez dans tout le nord-ouest, vous ne trouverez aucun véhicule qui porte la plaque d'immatriculation CEMAC. Si vous le faites, votre véhicule sera brûlé et vous risquerez même d'être tué. Donc, il y a ces deux événements qui marquent la victoire des séparatistes sur le gouvernement par rapport à la vie de la nation. Maintenant, les Tarsis qui sont obligés maintenant de se faire peindre en bleu. Et blanc. Et blanc, les couleurs de l'Ambazonie. C'est une stratégie qui va certainement, parce que le gouvernement ne laissera aucun Tarsi circuler en bleu et blanc. Et les Tarsis jaunes courent le risque, même de nuit, d'être brûlés. Même s'ils sont garés dans les domiciles des gens, et ce sera difficile de mettre un militaire devant chaque Tarsi pour empêcher qu'il ne soit détruit. Donc ces gens sont pris dans un étau. Et nous pensons qu'il est toujours temps d'ouvrir des négociations. C'est entendu, Maître Lavoisier Tapi. Nous allons nous intéresser à un autre fait qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis jeudi dernier. L'augmentation des frais d'établissement de la carte nationale d'identité qui passe du simple presque au triple. Il faudra désormais débourser 15 500 francs CFA. Le courroux des représentants des consommateurs ne s'est pas fait attendre. Dans le même temps, à Yaoundé cette semaine, il nous a été présenté les projets des infrastructures qui devraient permettre de mettre sur pied un système d'établissement moderne et sécurisé des cartes nationales d'identité. Reportage. D'où vient-il, dites-moi, qu'un titre de nationalité qui est un droit doit se payer? La question se pose au moment où de nombreux Camerounais doivent désormais débourser 10 000 francs CFA pour des droits de timbre concernant l'établissement d'une carte d'identité nationale. En RC, à la République centrafricaine, le coût, c'est 4 500 francs CFA. Au Congo-Brazzaville, c'est 3 000 francs CFA. Nous disons que la délivrance de la carte d'identité est un service public qui doit être gratuit. Cette augmentation des droits de timbre pour la délivrance des CNI passe de 2 800 francs CFA à 10 000 francs CFA à ce jour. La société civile crie au scandale. Comment voulez-vous arrêter chaque fois le destin des Camerounais sans que eux-mêmes ils soient d'accord, sans que eux-mêmes soient autour de la table
pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Tout en questionnant cette mesure, ces défenseurs des droits des consommateurs font savoir qu'elle va durement impacter le quotidien des Camerounais. Si maintenant la carte nationale d'identité qui doit permettre à un citoyen d'être un contribuable coûte aussi cher, nous allons avoir au Cameroun des apatrides dont nous dénonçons ceux qui ont proposé ce prix au chef de l'État et qui l'a entériné. Il s'agit dès aujourd'hui d'un nouveau défi à relever pour les Camerounais de l'arrière-pays vivant dans des localités sans poste de police, sans route, sans électricité et sans connexion Internet dans un environnement où la vie est de plus en plus chère. Ça coince à deux niveaux, le ralentissement dans la production et la délivrance lié aux difficultés techniques, aux procédures et à la mise à disposition du matériel, ainsi que le phénomène d'identification multiple évoqué par le secrétaire général de la Sûreté nationale face à la presse en janvier 2021. Plus de 3 millions de Camerounais ayant personnellement changé des éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double, triple, quadruple identité et autres usurpations. En l'état actuel de la législation, seule la première identification contenue dans la base des données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. Ça va changer, c'est du moins ce que souhaite la Sûreté nationale, qui, de concert avec son partenaire privé Augentique et sur haute instruction de l'État, a enclenché un système qui, en plus d'être mieux sécurisé, se veut beaucoup plus rapide en produisant des cartes nationales d'identité en 48 heures, voire beaucoup moins, en fonction des structures et options spéciales, mode de fonctionnement. Ça va commencer par une application en ligne dématérialisée, prise de rendez-vous en ligne, et il y aura une disponibilité énorme des rendez-vous au niveau de pose de demande pour les cartes d'identité à travers le pays. On va assurer aussi l'expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans le territoire camerounais. Une avancée significative. Dernière évolution à date, la pose de la première pierre du nouveau centre de production ce 19 juin à Yaoundé. Le contrat relatif a été signé le 13 mai dernier au siège des institutions. Merci Karel Mezatia-Choya et Junior Roussin pour ces deux reportages. Retour sur ce plateau avec vous, Maître Lavoisier-Tapi. Quelle a été votre réaction à la suite de cette ordonnance signée le 20 juin 2024? Ben, j'ai été terriblement surpris. Surpris parce que deux documents officiels marquent l'identité d'un citoyen dans un pays. Il y a l'acte de naissance. L'acte de naissance vous attribue la citoyenneté par rapport à une nation. L'acte de naissance, à ce jour, est gratuit. Il se confectionne et se délivre gratuitement dans les mairies et les centres d'état civil spéciaux. Après l'acte de naissance, il y a la carte nationale d'identité. Ben, ça me fait honte d'être Camerounais et de savoir que 60 ans après les indépendances, que nous soyons indépendants, mon pays soit incapable de produire par lui-même une carte nationale d'identité. Ça fait terriblement honte d'être Camerounais et de vivre ce genre de situation. Je marche avec un récépissé qui date de 2 ans. Ben, je voudrais dire que la carte nationale d'identité, c'est un document très important dans la vie civile d'un citoyen. On peut l'établir pour tout citoyen dès sa naissance. Mais la loi numéro 90/042 du 19 décembre 1990, qui porte institution d'une carte nationale d'identité, dit que la carte d'identité est obligatoire dès qu'on a 18 ans. À savoir que cette carte nationale d'identité est le document qui facilite de jouir de la liberté d'aller et venir. La liberté d'aller et venir, de circuler sur le territoire national, est une liberté fondamentale d'un citoyen, prévue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Constitution camerounaise et par d'autres conventions ratifiées par le Cameroun. Donc c'est un document essentiel. Réaction sur le montant, et 15 500. C'est vraiment... Les cartes nationales d'identité, je vous prends l'exemple de la Chine, elles sont gratuites. La Chine qui a plus d'un milliard d'habitants, l'État chinois délivre gratuitement la carte nationale d'identité à ses citoyens.
le gouvernement, en instituant une prime de 10 000, une taxe de 10 000, il considère ça comme un crime contre le peuple camerounais. Un crime contre le peuple camerounais parce que vous avez dans les campagnes, dans les zones rurales, vous avez des parents qui, toute l'année, n'ont pas 20 000 francs de revenus. Toute une année. Vous allez imposer à celui-là de sortir 10 000 francs plus les pièces qu'il faut confectionner, ça fait en tout 15 500 francs pour avoir une carte nationale d'identité. Je dis que ce n'est pas normal. Dans un État où la précarité, vous avez un nombre important de diplômés de l'enseignement supérieur qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, alors, qui ont fait certains 8, 9, 10 ans sans travail. Est-ce que les projets d'investissement, la mise sur pied des infrastructures de modernisation de l'établissement de cette CNI-là ne peuvent pas justifier cette augmentation? Non. Avant l'intervention de cette ordonnance, l'État subventionnait l'établissement de la carte nationale d'identité. C'est pour ça qu'on était à 2800. L'État subventionnait. L'État peut toujours subventionner la confection de la carte nationale d'identité pour qu'elle soit gratuite. Et ce qui est marrant, ce qui est choquant, c'est que sur les 10 000, vous avez 1 000 francs qui vont à l'État du Cameroun, 9 000 francs qui vont à la France. Parce que c'est les Français qui vont établir, qui vont confectionner nos cartes nationales d'identité. Sur 10 000 que le Camerounais dépose, le Français a 9 000, l'État a 1 000 francs. C'est irresponsable, ce genre de gouvernance. Les impacts de cette augmentation, selon vous, seraient quoi? Que ce soit les Je vois des impacts politiques. Parce que ce n'est pas au hasard que cette loi a été introduite, que cette ordonnance est apparue à ce moment, à un an de l'élection présidentielle. Il s'agit de décourager le maximum de Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que vous savez, la carte nationale d'identité est une pièce importante pour s'inscrire et pour voter. Donc, si cette ordonnance sort maintenant, c'est pour décourager, parce que l'État a vu l'engouement dans les inscriptions sur les listes électorales. C'est une ordonnance à caractère politique qui vise à empêcher les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales parce qu'on en connaît l'impact. Et je dis bien que le gouvernement ne manque pas de moyens. On ne manque pas de moyens de subventionner la carte d'identité nationale pour qu'elle soit gratuite. C'est entendu, parce que, Parce que je vais chuter par oui, là. 30 secondes pour je vais chuter par là. J'ai peur qu'après la carte nationale d'identité, on tombe sur l'acte de naissance pour dire que désormais vous allez payer pour avoir une acte de naissance au Cameroun. C'est entendu, maître. On souhaite que ça n'arrive pas. Ce serait pas bien pour le peuple camerounais. On souhaite que ça n'arrive pas, parce qu'après l'augmentation du prix du carburant à la pompe, du passeport, etc., il faut davantage serrer la ceinture. On a peur que la ceinture finisse par couper ou alors trancher la taille en deux. Nous allons parler de toute autre chose à présent. On parle de l'environnement avec ces ordures qui empestent les populations de la ville de Douala et la ville de Bonabéry, l'arrondissement de Douala 4, où le décor est de plus en plus incliné. On fait allusion aux voitures qui doivent se pencher dans des nids d'éléphants pour circuler. La dégradation de la voirie. Reportage. Des véhicules qui cherchent un passage. La route enclavée du secteur Marla au quartier Bépanda est envahie par un vaste tapis d'ordures. Les ordures sur la nuit gêne, c'est là. Depuis, on n'arrive même pas. Donc, quand c'est là comme ça, là, ça déchaîne. Ça nous dérange. Tant ça nous sent, nous n'avons pas resté de l'autre côté. La vie avec les déchets et dans les ordures est une réalité ici. Les entreprises naissent tout autour et peinent à faire du chiffre. Exerçons même ici, on a de la peine à recevoir nos clients et tout ça. Et par moi, on est obligé de rester avec les portes fermées pour éviter que les mouches s'infiltrent dans la maison tout le temps. Les ordures, là, on n'arrive même pas à s'en sortir. Les enfants, les petites maladies à l'heure actuelle, le palu, ça ne va pas. Ça mène les moustiques dans tout le secteur. Que ce soit à la 3e avenue ou au secteur Mala, plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce phénomène dangereux pour la santé de l'homme. Quelqu'un qui est au marché de Global pour venir verser les ordures loin ici au Carrefour Mala, ce n'est pas une bonne chose. Qui peut être ambiance pour venir verser ici. Dans le banal, ça m'a peut-être deux points de dépôt d'ordures. Un riverain sort de sa maison, au lieu de déposer les ordures à l'intérieur du bac à ordures, il dépose en plein goudron.
et sont très dépassés par la situation parce que non seulement ça nous expose aux maladies telles que le paludisme. Et même la stèle de Françoise Fonine n'y peut rien car immobilisée depuis plusieurs années par des odeurs nauséabondes qui proviennent de ces décharges improvisées par la population. Traversée à la renverse, imposée aux automobilistes au rond-point carrefour entrée sapeur à Bonabéry. Pour cause, ce gigantesque fossé en plein milieu de la chaussée. Nous souffrons tellement pour ce carrefour, nous n'arrivons pas à passer. Et comme tout à l'heure, là, bon, il y a un gros trou là. Ceux qui ne savent pas, comme les étrangers, là, quand ils viennent, ils s'enfoncent là, ils ont tellement de problèmes pour s'en sortir. Les camions tombent ici tous les jours. Et dernièrement, on a mis la pousse-dame. Cette pousse-dame n'a pas tenu. C'est quand même malheureux de vivre au Cameroun comme ça. Un malheur à l'origine de nombreux autres. Accidents, bouchons interminables et augmentation du prix du transport. Je quitte ici ce métier pour traverser, il faut qu'on me prenne 300 parce que la route n'est pas, la situation de la route n'est pas, l'état de la route n'est pas bien. C'est pas bien pour un accès comme ça. Il y a tellement d'embouteillages, tellement. Nous n'arrivons même pas à s'en sortir, même les motos. Il y a des fois le camion tombe ici là, on fait peut-être plus de 3 heures du temps, 4 heures du temps. Quand tu tombes ici là, c'est fini, t'as pas de travail fini. La dénivelée inclinée de la chaussée met à rude épreuve les amortisseurs des véhicules. Et le moral des usagers. On souffre, nous les clients et les autochtones du village, on souffre. Parce que c'est très dégueulasse. On paye les taxes, d'où l'argent la part. Question à mille inconnus au regard de l'état de délabrement des routes dans la ville de Douala. Maître Lavoisier Tapi, vous venez de Bafoussam, vous êtes adjoint au maire de la commune de Bafoussam 1er. La ville, elle est de plus en plus propre, d'année en année, on ne l'a pas vécu comme ça. Donc la ville, il y a des fleurs, les routes sont balayées, il y a de moins en moins des ordures dans la ville de Bafoussam. C'est dire que Douala n'est pas condamné. On peut copier l'exemple de Bafoussam pour le répercuter dans la ville de Douala. Vous qui venez de Bafoussam, comment vous vivez ce décor de la ville de Douala, qu'il faut le dire, c'est le hub économique de l'Afrique centrale. Le port, il est là, c'est la principale porte d'entrée. Les étrangers atterrissent à Douala par l'aéroport, par le port, et vivent ça. Et vous arrivez par route et vous vivez ça. Comment vous le vivez-vous dans votre chair? Ben, c'est un scénario assez triste. Parce que la ville de Douala est le poumon économique de notre pays. La ville de Douala est la capitale économique. C'est la ville qui produit plus de la moitié du budget de l'État, 80% de richesse. Et c'est regrettable que l'état des voiries de cette ville soit dans cet état. L'état que nous constatons, à savoir... les nids de poules partout, les routes mal faites. On ne parle plus de nids de poules, on parle de nids d'éléphants. Les nids d'éléphants. Bon, je pense qu'il faut mettre cela sur le compte de la mauvaise gouvernance. Parce que l'État ne manque pas les moyens pour faire de bonnes routes à Douala. Sauf que quand un budget est débloqué, il est détourné à près de 60%. C'est 40% du budget qui part dans le projet qu'on doit réaliser. Et quand vous mettez que 40%, vous ne pouvez que bricoler. Alors que si on avait mis ces moyens à 100%, ça devait changer l'image de la ville. Bafoussam a radicalement changé son visage parce que les routes ont été bien faites. Les opérateurs chinois qui ont fait la majorité des routes de Bafoussam ont travaillé avec beaucoup de professionnalisme. Et ça a donné un aspect nouveau à la ville de Bafoussam. Donc je pense que si la même détermination est mise à Douala, si la route de l'ouest de Bonabéry jusqu'à Bekoko et même jusqu'à Mbanga, si cette route est refaite de manière professionnelle, on va éviter le genre de spectacle que nous constatons. Au-delà des routes qui ont été refaites à Bafoussam, on remarque quand même qu'il y a un balayage systématique des routes. On voit l'arc floral qui se développe à Bafoussam. On voit l'éclairage public également. C'est des choses qui manquent dans des principales villes du Cameroun, notamment Douala, où il y a
plus de 5 millions d'habitants. Oui, c'est encore un constat assez triste parce que tout ça, c'est la gouvernance au niveau du pouvoir central. Quand vous sortez du Cameroun et quand vous regardez comment les villes des autres pays africains se développent, il faut regarder la Côte d'Ivoire, regarder ce que les gouvernants font en Côte d'Ivoire. Aller au Bénin, aller même au Mali, le Mali qui est un État où on dit que c'est les putschistes qui gouvernent, aller au Mali. Regardez comment les principales villes ont été radicalement transformées. Donc il est possible que le président Paul Biya qui avait débloqué des fonds d'urgence pour l'extrême nord, il peut débloquer des fonds d'urgence pour la ville de Douala, pour la voirie de la ville de Douala, et exiger que cela soit fait de manière professionnelle. Mais est-ce qu'ils en sont capables? Je pense qu'ils n'en sont vraiment pas capables. Parlons de décentralisation, maître Lavoisier Tapie. Le ramassage des ordures, l'entretien routier est reparti entre le pouvoir central et les collectivités territoriales décentralisées. C'est l'occasion pour moi de vous demander pour quel résultat, si l'on s'en tient justement au ramassage des ordures, les mairies des villes devraient payer, ils accompagnent sans faire la publicité, 15%. Oui, je pense même qu'il faut briser le monopole d'Isacam dans les grandes métropoles. Parce que le monopole d'Isacam plombe la propriété des grandes villes. S'il était possible de trouver d'autres opérateurs dans l'enlèvement des ordures ménagers, qu'à Douala, il y ait 4 opérateurs, cela pouvait permettre qu'on sectionne la ville en 4 secteurs, que chaque opérateur ait un secteur précis à nettoyer. Douala serait plus propre. Il y a la problématique du paiement même d'Isacam qui reste sur la table. Vous entendez à plusieurs reprises, il y a des ardoises à coût de milliards de francs CFA qui ne sont pas épongées. Donc, même si on a 4 opérateurs, si on ne les paye pas, ils ne vont pas travailler. Voilà, si on a 4 opérateurs, si on ne les paye pas, ils ne vont pas travailler. Et je pense surtout qu'il faut également renforcer le pouvoir des communes en matière d'enlèvement des ordures ménagères. Vous avez certaines villes à l'ouest où Isacam n'est pas et qui sont propres. Banjoun n'a pas Isacam. Banjoun est très propre. Bouda n'a pas Isacam. Bouda est très propre. Allez à Tchang, il n'y a pas Isacam là-bas. C'est des villes qui sont propres, très propres. À Baganté, vous n'avez pas Isacam, mais Baganté brille par une propriété exemplaire. Donc, je pense qu'on peut renforcer les pouvoirs des municipalités dans l'enlèvement des ordures ménagères, quitte à ce qu'on introduise une taxe. Un peu plus de transfert de moyens et de compétences. Voilà, un peu plus de transfert de moyens et de compétences. Et nous avons même toujours, dans l'opposition, indiqué que le gouvernement de M. Paul Biya est pléthorique pour rien. On émiette les ministères pour peu d'efficacité. Il n'y a pas une efficacité dans l'émiettement des ministères. On a 66 ministres au Cameroun. Ça ne sert à rien, c'est budgétivore pour rien. Il y a des gouvernements qui sont à 30 ministres et où on voit un effet boomerang. Mais nous avons ici, on émiette des ministères parce qu'on veut contenter tel, on veut contenter tel, on veut compenser tel pour son action politique et non parce qu'on veut une efficacité. Donc, ces budgets-là, on pouvait les réorienter. Les réorienter, renforcer les pouvoirs des municipalités, donner beaucoup plus de moyens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez sur 360 communes qu'on a au Cameroun, vous avez plus de 340 communes dont les budgets servent essentiellement à payer les salaires des employés communaux. Et il reste très peu d'argent pour les investissements. Et donc la décentralisation proprement dite reste en chantier. C'est un échec. C'est un échec. La décentralisation actuelle, c'est un échec. Et je vais vous garantir que les compétences transférées là n'arriveront jamais. Pourquoi êtes-vous si pessimiste? Les bureaucrates qui sont à Yaoundé, est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à laisser les communes gérer les écoles primaires et maternelles, comme cela est prévu depuis 2016. Ça n'a jamais été concrétisé. Est-ce que vous croyez que le ministre de la Santé est prêt à laisser que les mairies gèrent les hôpitaux des districts, recrutement de personnel, paiement de ce personnel, construction des infrastructures et tout et tout? Vous êtes avocat, maître Lavoisier Tapie. Si les mairies se sentent lésées dans l'exécution de ce qui leur est légalement attribué, ils peuvent rester en justice, par exemple? Non, vous allez rester en justice sur quoi? Il y a le comité interministériel de la décentralisation. Il y a plein de structures de la décentralisation qu'on a créées. Des structures
budgétivores qui passent le temps à dépenser de l'argent. On ne peut pas créer une loi. Au lieu de l'appliquer, on met sur pied une commission qui va réfléchir sur comment on va appliquer cette loi. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, maître. Alors, cette semaine, on a davantage parlé de la situation de la veuve. Sa journée, c'est le 23, donc précisément ce dimanche. Plusieurs associations de défense des droits des veuves ont mené des activités au cours de la semaine pour sensibiliser la personne de la veuve parce que, après la perte de son mari, la femme, très souvent, devrait répondre de la mort de son époux, malgré le contexte de douleur, la perte qui va avec. Reportage. Expulsion du domicile conjugal, rétention des biens, stigmatisation sont entre autres des supplices infligés aux femmes après le décès de leur conjoint. Il y a 12 ans que j'ai perdu mon époux, ce n'est pas facile. Même quand vous pensez avoir des amis au sein de la belle famille, quand monsieur n'est plus là, la situation se retourne. Vous êtes accusé automatiquement d'être responsable de son décès. Même quand il a été malade, on l'a bien vu malade, mais vous devez apporter des explications. Je n'étais pas préparé à une pareille situation. J'ai eu une liste des choses qu'il fallait donner à mes belles-sœurs. Vraiment, ça m'a beaucoup fait mal. Souvent, lorsque le mari décède, il y a l'intérêt là, que chacun veut manger quelque chose. Des problèmes relatifs à l'héritage et au respect des traditions. Pour les hommes de science, la femme veuve reste et demeure un maillon de la famille. Les femmes doivent être considérées comme des êtres à part entière. Elles doivent comprendre que tout commence par la famille. Quand on est marié, on doit avoir des alliés dans sa famille d'alliance. La loi camerounaise protège la veuve. Nous avons le code civil camerounais qui protège la veuve. Nous avons le protocole de Maputo qui accorde un droit d'habitation à la veuve après le décès de son mari. Et il faudrait encore que la veuve soit au courant de ses droits. Lorsqu'une personne décède, les premières personnes à hériter de cette personne, du défunt, ce sont ses enfants. Le conjoint survivant vit en quatrième ordre. Briser le silence, une option recommandée aux participantes de cette conférence publique organisée à Douala par Chantal Kabingwa et l'organisation non gouvernementale Servitas. Une causerie éducative en prélude à la 14e édition de la Journée de la Veuve le 23 juin 2024. Après le décès de son époux, la veuve fait face à des rites de veuvage. C'est un ensemble de pratiques infligées à cette dernière en vue de laver ses souillures, la purifier au fil des temps, se coucher à même le sol, se voir épiler ou encore se voir fesser, n'effraie plus celle qu'on appelle trivialement veuve joyeuse. Quand vous êtes milliardaire et que vous arrivez, votre mari est mort, personne ne vous mettra dans la porcherie. Personne ne va vous faire dormir par terre, vous faire manger la boue, vous mettre nu à pisser dans le truc. Vous payez et vous rentrez. Personne ne vous retiendra au village 3 mois. Si les rites de veuvage aujourd'hui sont une mince affaire pour les veuves nanties, les moins nanties, elles, subissent la rancœur et la jalousie de celles qui les lavent. Conséquence, cette pratique perd sa fonction sociale. En face, l'Église propose le rite de veuvage chrétien. Il faut avoir la foi pour le faire. Nous la prenons, on lui fait la prière, lui impose les mains, on bénit l'eau. Il y a deux parties, il y a le début du veuvage et il y a la sortie du veuvage. Le temps d'une causerie éducative ce 17 juin à l'église presbytérienne camerounaise, paroisse de Djungolo à Yaoundé, les femmes se recrutant de toutes les couches sociales, notamment du cercle des amis du Cameroun, sont édifiées sur les violences liées au rite de veuvage et autres sur le statut de la veuve. On doit vraiment se mettre ensemble pour dire aux femmes qui ont perdu leur mari que cessez de penser que les maris reviendront défendre vos droits. C'est vous-même qui devez les défendre. Cet échange est en prélude à la 17e édition de la Journée internationale de la veuve le 23 juin prochain. Elle sera célébrée sous le thème « Lutter contre la vulnérabilité des veuves, améliorer leur situation socio-économique ». Maître Lavoisier Tapi, vous êtes également notable à la chefferie supérieure Balessin, c'est dans le département de la Ménois. Vous participez aux réunions secrètes. Parlons un tout petit peu de, ou alors faisons une analyse anthropologique des rites de veuvage. Est-il obligatoire? Une femme qui ne subit pas ces rites, cette maltraitance, devrait-elle vivre des malchances, des jours difficiles pour elle et pour sa progéniture, c'est véritablement obligatoire? Oui, je vais commencer déjà par
dire que je ne suis pas encore notable à la chefferie. Et vous participez quand même aux réunions secrètes à la chefferie. Je participe aux réunions de certaines sociétés secrètes dans ma chefferie. À quel titre? Ben, j'ai intégré parce que il y a des procédures pour intégrer. Je suis passé par mon chef supérieur. Et j'ai intégré certaines réunions secrètes. Je remercie d'ailleurs mon chef supérieur pour cela. Mais je crois que le titre de notabilité, peut-être un jour, il viendra. On attend voir. Bien, par rapport à cette thématique, il est vrai que il y a encore certaines coutumes qui imposent aux veuves des pratiques inacceptables. Inhumaines même. Inhumaines même. Et c'est le lieu d'appeler aux responsables coutumiers. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la sphère Ngembon, qui regroupe les villages Baleseng, Bacham, Bangang, Balachi, Bamegon. Alors, dans cette sphère-là, ces villages qui sont entre la Minoa et le Bambutos, il y a une étude en cours. Il y a des spécialistes de l'anthropologie, des spécialistes de la linguistique, des spécialistes de tradition qui sont en train de travailler pour codifier les coutumes et les mettre dans un livre, dans un document qui sera publié, de manière que des problèmes comme ceux des veuves, que chacun le lise et chacun voit ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'il y a mort d'homme. Il faudrait peut-être que ce comité travaille assez rapidement et qu'il publie ce document parce que il peut servir d'exemple à d'autres communautés. Et je suis très certain que ces coutumes vont se moderniser. Elles vont prendre un aspect un peu plus humain. Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Mais c'est très souvent des femmes qui font subir cela à d'autres femmes. C'est des moments de règlement des comptes, on dirait. Non, c'est pas... Avec la belle-fille. Non. Vous savez, chaque femme dans une famille a ses amis. Et lorsque le mari est décédé, la veuve est prioritairement entourée par ses amis. Lorsqu'il faut faire le rite de veuvage, c'est les amis de la veuve qui l'entourent dans ces rites-là. Et ce sont ses amis qui la torturent comme ça? Bon, dans d'autres communautés, apparemment, ce n'est pas le même cas qu'à l'Ouest Cameroun, mais dans la plupart des familles à l'Ouest Cameroun, je vois ce que je vois, les cérémonies de veuvage que je vois, elles ne sont pas aussi violentes. Elles ne sont pas aussi violentes, elles ne sont pas aussi dégradantes sur le plan humain. Nous allons sortir, puisqu'il nous reste quelques minutes. Il y a un autre fait qui défraie la chronique, ce sont des tensions foncières de part et d'autre. On l'a vécu à Bobono, dans la région du littoral, précisément à Douala. On l'a vécu également à Mbangapongo, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, des populations autochtones qui sont jusque de ce que leurs terres puissent leur être arrachées. Reportage. Sur leur mine serrée, se lit de la colère et du désarroi. Ces populations du village Boko sont menacées de déguerpissement. Nous sommes à Mbangapongo, dans le 3e arrondissement de Douala, où 70 hectares de terrain font l'objet de disputes entre la communauté de Bonaluka et celle du village Boko. Moi-même, en tant que chef, que je suis victime, que mes grands-parents sont là, installés depuis 1963, que moi déjà sur ce même terrain, je réside là, ça fait déjà 40 ans. Que je suis attaqué aujourd'hui par une collectivité qui ne sont pas propriétaires coutumiers. Ils viennent, ils laissent le village à Bonaluka pour entrer dans un autre village, Bako, pour venir se faire propriétaire pour obtenir les titres fonciers sur nos mises en valeur. Réunis à la chefferie traditionnelle ce mercredi, ces hommes et femmes réclament l'annulation des titres numéros 33118 et 36627 dans la zone Vouride B. Des titres fonciers qui font désormais de cet espace habité un domaine national. En 2020, nous avons obtenu le premier arrêté portant annulation. Et nous ne savons pas quelle alchimie. En 2021, ils ont obtenu une rétractation du ministre. Parce que le ministre écrit encore aujourd'hui pour demander de vérifier les dossiers techniques et administratifs, de les vérifier, de faire des auditions contradictoires
et de vérifier la légitimité des autochtones dans le village. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui, mais nous sommes désolés que ni nos adversaires, ni les membres de la commission ne sont pas présents. Pour les populations autochtones du village Boko, il est question d'établir la légitimité coutumière des titres querellés. Elles demandent à l'État de se retracter. En l'absence des agents de mission du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, les auditions prévues ce jour ont avorté. Au total, 207 hectares de terre rétrocédés à la communauté Bomono. L'autorité judiciaire, descendue sur le terrain, et la population accusent l'autorité traditionnelle de vouloir brader une partie de cet espace. Remercions le chef de l'État et tout son gouvernement qui ont bien voulu nous rétrocéder les terres. À Bomono. Avant, c'était des palmiers. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces terres sont plutôt en train de jouir aux chefs traditionnels. En face, le collectif de la population de Bomono estime qu'il s'agit d'un problème d'information. C'est les chefs de toutes ces communautés-là qui pourront nous donner la bonne information. Donc ce que je dirais, c'est qu'on est déjà à la fin d'un processus. Tout ce qu'on veut, c'est ce que nous soyons ensemble pour qu'on finisse en beauté. 5 hectares, objet de la querelle, présente au dire de l'autorité traditionnelle le paiement en nature de tous les actes et autres demandes pour l'obtention du titre foncier. Nous avons décidé, les 9 chefs, de donner une partie de terrain aux financiers. Parce que chaque village devait donner aux financiers 5500 m². Il dit chaque village. Sur les 9 villages, vous allez faire le calcul, c'est plus ou moins 5 hectares. L'autorité traditionnelle se veut rassurante. L'information, c'est que Badibo a perdu que 5500 m². Et le reste est récupérable, qu'on a signé des papiers chez le notaire, récupéré dans chaque village. Faut-il rappeler que cet espace communément appelé B9 fait l'objet d'une interdiction d'exploitation signée du gouverneur de la région du littoral. Les bénéficiaires n'attendent que la levée pour accéder à l'espace. Merci de nous regarder à Maroua, à l'extrême nord Cameroun, à Bépanda, à Douala, à Kele, à Kengan, c'est à Bamungo, mais également à Baleseng, le village natal de notre invité. On parle de cette crise foncière avec ces courroux exprimés par les populations autochtones. Maître Lavoisier-Tapie, quelles sont les prérogatives des populations autochtones en matière de jouissance de leurs terres? L'ordonnance 74-1 du 6 juillet 1974 qui réglemente le régime foncier dit que l'État est propriétaire de toutes les terres. En principe, si on se fie à cette disposition légale, les propriétés coutumières ont disparu depuis 1974. C'est l'État qui devient propriétaire de toutes les terres qui ne sont pas immatriculées. Là où il n'y a pas de titre foncier, on appelle ça domaine national, c'est l'État qui gère. Mais dans les dispositions, dans la pratique, on reconnaît les propriétés coutumières. Les propriétés coutumières, c'est des terres qui appartiennent aux gens qui sont considérés comme les occupants les plus anciens. Vous savez que quand certaines communautés se sont installées dans les zones forestières, dans les zones où il y avait très peu de population, elles n'ont pas délimité le domaine qu'elles occupent. Maintenant, avec la modernité, avec les ventes de terrains anarchiques qui fleurissent au Cameroun, certaines communautés se sont appropriées des terres qui étaient inoccupées. C'était que de la forêt, il n'y avait rien là-bas. Normalement, ces terres-là devraient être des propriétés. C'est le domaine national, c'est l'État qui doit gérer ces propriétés-là. Mais je dois dire que le problème foncier au Cameroun, il prend des tournures assez graves aujourd'hui parce que la législation est d'abord obsolète. Les ordonnances de 74 et de 76 qui réglementent aujourd'hui les procédures foncières au Cameroun sont devenues anachroniques, obsolètes, inadaptées. Que faut-il faire? Et depuis que le ministère des domaines et du cadastre a envisagé de toiletter, il y a de nombreux projets de loi au Cameroun qu'on n'a jamais envoyés à l'Assemblée nationale. Comme le code de la famille,
qui depuis 20 ans dort au ministère de la Justice. Bon, alors cette législation, elle n'est pas toilettée. C'est un tort. Deuxièmement, vous avez les prédateurs fonciers, ce que j'appellerais les prédateurs fonciers. C'est les riches qui, avec la complicité des agents des domaines, du cadastre et des affaires foncières, achètent tout. Vous restez, vous êtes dans votre concession, quelqu'un va au domaine, on lui établit un titre foncier sur votre concession. Et il vient, il vous expulse parce qu'il a un titre foncier. Vous allez en justice, il achète les juges, on rejette votre recours, il vient avec un caterpillar, il balaye tout, il s'installe. Pour sortir, maître, on le voit. Il faut qu'on analyse les incidences sociales et économiques de ces déguerpissements des populations autochtones. On l'a vécu à Douala, juste à Bali. Dikolo. On l'a vécu, on est en train de le vivre un tout petit peu en Bangapongo. Les populations sont vent debout pour que ça ne se produise pas. Quelles sont les incidences, les multiples incidences qu'on pourrait vivre avec ces déguerpissements? Mais le gouvernement a la chance que ces événements ne débouchent pas sur des insurrections. C'est extrêmement grave le problème foncier au Cameroun. C'est une bombe qui peut déclencher une insurrection. Parce qu'il n'y a pas de mal plus profond que pour quelqu'un qui vit, qui est né sur un terrain, qui vit sur ce terrain, de subir une injustice, qu'on vient un matin le déguerpir comme ça. Il ne comprend pas ce qui est arrivé, qu'on le déguerpisse, on ne lui donne aucune explication. Et puis on vous dit qu'il y a une décision de justice à laquelle il n'a pas participé, on vient le déguerpir comme ça. C'est extrêmement dangereux. Alors ces populations-là organisent tant qu'elles peuvent les résistances. Et c'est normal qu'elles organisent ces résistances-là. Parce que généralement, les décisions de déguerpissement sont basées sur les violations de la loi. Vous avez le cas de Dikolo. L'État a dû reconnaître qu'il n'y avait aucun projet à Dikolo. Pourtant, on a cassé, on a détruit. Déjà, on subit des préjudices aujourd'hui irréparables. On n'a pas recensé toutes leurs économies, oui, qui se retrouvent à la retraite et n'ont plus rien. Donc c'est extrêmement grave et je pense que... Justement, une minute pour conclure l'émission, maître Lavoisier de Sapi, sur la question foncière, parce que j'y insiste, vous avez parlé d'une bombe à retardement, il faut qu'on y trouve des solutions pérennes. Oui, il faut qu'on y trouve des solutions pérennes. Les premières solutions consistent d'abord à moderniser la législation foncière, à faire que ce soit une législation adaptée, une législation qui protège justement les droits des personnes autochtones sur leur terre. Il faut une législation vraiment adaptée aux réalités camerounaises. Deuxièmement, il faut mener une lutte sans merci contre la corruption au ministère des Domaines et des Affaires foncières. La corruption fait rage dans ce ministère. On achète tout. Moi-même, j'ai un dossier sous la main actuellement où, à Baganté, on a fait un titre foncier dans un titre foncier. Et ceux qui l'ont fait le savaient, ils sont allés dans un titre foncier, on leur avait déjà signalé que le terrain là est borné depuis 80. On est allé dedans faire un autre titre foncier. Comme quoi, le titre foncier ne sécurise pas à 100%. Ça ne sécurise pas à 100%. Surtout quand il est fait dans des conditions frauduleuses, dans des conditions de magouille et de tricherie. Ce sera le mot de fin de cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Vous avez été des milliers à réagir à Bépanda, à l'extrême nord, dans le sud, à l'est, à Bafoussam. Merci de l'intérêt que vous accordez à ce rendez-vous des faits marquants de la semaine. Nous disons merci à notre invité, maître Lavoisier Tapi. Il est avocat au barreau du Cameroun, adjoint au maire de la commune de Bafoussam Premier. Merci, maître, d'avoir fait le déplacement de Bafoussam. Merci, Monique. Ça a été un honneur particulier pour moi de participer à votre émission. Je suis très fier de cette invitation. Je dis bonjour à Monsieur le directeur général du Canal 2 International. Je dis bonjour à tous vos téléspectateurs qui sont assez nombreux de par le monde et au Cameroun. Et ce serait avec plaisir que je reviendrai à votre émission. Ce sera avec plaisir que nous allons réitérer cette invitation au regard des réactions des téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là pendant ces 60 minutes de temps d'antenne pour vivre les faits marquants de la semaine. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est demain à 9h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain, si Dieu le veut, pour d'autres faits marquants de la semaine, avec un invité tout aussi intéressant, selon vos points de vue. À bientôt, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International, 11h30. C'est le magazine Canal Presse.
Thank you.